par ce beau temps, bon, ben, on en profite aussi un petit peu pour sortir. Bon, mais c'est pas grave, hein, les gens qui sont en ligne, ben, on va pouvoir travailler. Là, on va faire un petit tabata. Comme la semaine dernière, on va faire fonctionner ben, tous les membres de façon à engager le maximum de muscles pour travailler ben, l'ensemble du corps du haut jusqu'en bas. Donc, je vais, comme d'habitude, vous montrer les exercices qu'on va faire et on va les faire ensemble. Comme ça, on va pouvoir se chauffer aussi un petit peu en même temps. Donc, vous n'avez pas oublié les petites haltères. C'est pas grave si vous n'avez pas d'haltères. De toute façon, les mouvements, on peut les faire aussi sans haltères ou sans poids. Bon, c'est un petit peu plus efficace quand on a du poids ou des petites bouteilles. Vous faites comme vous voulez. OK, donc le premier exercice que l'on va faire, tout en marchant, eh bien, on va faire des mouvements de bras comme ceci. Hop, tout en marchant. Donc, on le fait ensemble. Donc, on lève le vent, on écarte, on monte, on redescend, on remet en face et hop, on redescend. Ça, ce sera le premier mouvement et on fait ça en marchant. Voilà. Hop, 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 de façon à faire fonctionner un maximum de muscles pour ce mouvement. Deuxième mouvement. Là, on va travailler en position squat, pas trop large. En position squat, on a les coudes ici en arrière, on a le dos bien droit et on va étendre les bras. Hop, comme ceci. Là, on ne bouge pas le bas. Déjà là, on a engagé le quadriceps en étant dans cette position-là. OK? Donc, on est les coudes en arrière et on lève. Hop, on laisse bien les coudes en l'air. OK? Troisième mouvement. Troisième mouvement. C'est l'été, c'est bientôt l'été, c'est bien, mais aujourd'hui c'est le printemps. Alors, donc je ne sais pas si vous avez déjà commencé. Moi, je n'ai pas encore commencé à tondre la pelouse. Alors, on va faire un mouvement qui va nous permettre de démarrer la pelouse. OK, là, on repart aussi de la même façon. Donc, de cette position-là, les bras tendus là-devant, et on va ramener vers l'arrière, les coudes vers le haut. Et en même temps, on étend la jambe là derrière. De façon à, une fois de plus, travailler le maximum de muscles. OK? Alors, attendez, parce que là, moi, je ne vois pas les vignettes. Je vais afficher les petites vignettes. Voilà. Voilà, super, je vous vois, c'est génial. Alors, quatrième mouvement. Là, c'est pareil, on va faire. Là, vous avez vu, on fait aussi de la coordination. Hein, parce qu'il y a des mouvements, on fait avec les bras, avec les jambes, etc. etc. Là aussi. On va refaire aussi un autre mouvement de coordination. Là, on va partir en step touch. Hop. OK? On fait deux. Hop. 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 OK? Hop. Ou alors, on peut le faire deux fois comme ça. Hop. Hop. Et quand on part de l'autre côté, on change de côté. OK? Ce sera peut-être plus simple pour démarrer comme ça. Ça marche? OK. Dernier mouvement. Vous vous souvenez qu'on avait fait le patineur? Là, on va le faire avec. On va travailler les biceps. Là, on va saisir nos haltères ou la bouteille d'eau en marteau, ce qu'on appelle en marteau, c'est-à-dire qu'on va faire ce mouvement-là. D'accord? On laisse toujours dans ce mouvement-là. OK? Donc, en fait, on va faire le patineur, hop, mais en faisant travailler les biceps. Donc, les coudes bien serrés le long du corps et c'est mes avant-bras qui bougent. OK? De façon à contracter le biceps. Bon, voilà. Ça va bien? Pas compliqué. Pas compliqué. Alors, on va faire un petit échauffement, vite fait, bien fait, et après, bon, on attaque notre tabata. Allez. Je lance la musique. Allez, allez, allez. Allez, on marche sur place. Sur ma route, oui, il y a eu Allez, on est parti. l'amour, oui, de l'aventure d'un movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du On va love, devant. oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma On va route, vers la oui, route. je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Pas sur les
rajoute un peu l'ombès. Sur ma route, j'ai eu des moments de doute. Je marchais sans savoir vers où. J'étais têtu, rien à foutre. Sur ma route, j'avais pas de bagage. Et dans ma poche, pas un sou. Juste la famille entre nous. Sur ma route, il y a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent été bougié. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier. Tu peux compter que sur tes chiens parents, parce que les amis te disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que je suis grand et on est seul, on meurt. Sur ma route, oui, oui, de l'aventure dans le mouvement, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus pousser, de pas devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, on chante pas bien, ouais. Sur ma route, on a l'air. Sur ma route, on a l'air. Sur ma route, on m'a fait des coups en douce. L'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur le chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens. Ils me parlaient du lendemain et que tout allait si bien. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je savoure mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi il me tête les autres. Si bien la pensée qu'il me reste une chose, et ma route elle est trop longue, pas temps de faire une chose. Sur ma route, oui, il y a eu du mouvement. Oui, aventure dans le mouvement. Une vie de route. Sur ma route, oui, on compte plus les soucis. Devoir devenir fou, oui. Une vie de route. Sur ma route. Allez, on bouge les bras. On va travailler les bras aujourd'hui. Sur ma route, oui, il y a eu du mouvement, de l'aventure dans le mouvement, une vie de route. Allez, alors. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de pas devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du mouvement, de l'aventure dans le mouvement, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les sous. Et on va devenir fou, oui, une vie de route. Oh là là. Sur ma route. Sur ma route. Allez, la marche passe. Allez, on arrête là. Hop, voilà. On s'hydrate surtout. N'oubliez pas, c'est toujours pareil, on s'hydrate. Qu'il fasse du soleil, qu'il fasse 20 degrés, qu'il fasse zéro, on s'hydrate sans arrêt. Bon, eh bien, on va pouvoir commencer notre petit tabata. Ok. Donc, vous vous souvenez, tous les mouvements, premier mouvement, on monte, on écarte. Hop, oh, ok, ça c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement. Attendez que je ne me trompe pas. Ouais, triceps. Donc là, en position squat. Ok, un petit peu plus large que les coudes, bien, bien en l'air. Et on va lever. Comme ceci. Ok. Voilà. Ça c'est le deuxième mouvement. Le troisième mouvement. Eh bien, on démarre la tombeuse. Ok. Les deux en même temps, hein. On va faire les deux en même temps, on ne va pas compliquer la tâche. Et le quatrième, là c'est déjà assez compliqué, hein. Hop, 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 ok. Et le petit dernier, le petit patineur, coude, bien serré, ok, et on y va, ok. Allez, c'est super. C'est bon? Bien. On peut y aller? On peut lancer la machine? C'est parti. Pardon?
Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, il y avait juste Nicole qui voulait que tu précises un peu plus sur la respiration pendant les mouvements. Oui, alors toujours la respiration, c'est sur l'effort hein, que l'on fait. Ok? Donc là, ici. Là, je monte. J'engage mes muscles. Je souffle. Ok? Toujours pareil. On rentre le ventre. On serre les abdominaux. Ok? Pour ce mouvement, c'est comme ça. Ensuite, bah, pareil. Un poulet. Vous entendez ma respiration? Je souffle. Je souffle. Ensuite, l'autre mouvement. On a vu patineur. Pareil. Ici, j'expire. OK? Ça marche? Donc, on est toujours sur l'effort. Voilà, super. Ça va? C'est OK? On y va, on lance. Je vois qu'il y a des bouteilles d'eau là, elles sont pleines, j'espère. Ah bon, ça va alors, ça me rassure. Allez, c'est parti! Allez, on marche aux places. Alors, n'oubliez pas, premier mouvement. Va bien? On a bien mémorisé les mouvements? Ouais, génial. Alors, là pour ce mouvement-là, donc je lève devant et je lève latéralement. Ok, c'est ça le mouvement. J'inverse, hop, devant, comme ça. Donc c'est pas en l'air comme ça, c'est vraiment au niveau des épaules, un tout petit peu au-dessus si vous pouvez, mais pas plus que ça. OK? Voilà, là on travaille le deltoïde.
Et on travaille beaucoup le deltoïde, tous les mouvements qu'on vient de faire. On travaille beaucoup au niveau du deltoïde, puisque c'est pareil, quand on fait ces mouvements-là, hop, 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 là, on travaille ce muscle-là. Entre autres. Alors, combien de temps il nous reste? Encore 50 secondes. Tout le monde va bien? Ouais, hein. Oh là là. Pas de problème. Je me demande même pourquoi je demande si tout va bien, puisque tout le monde est en pleine forme. Ok. Allez, on va bientôt partir. Dans 30 secondes. Premier mouvement, vous vous souvenez? On lève, on écarte, on monte. Ok? Voilà. Ça, c'est le premier. Dans 20 secondes. Alors, on va la musique. Ça va toujours? Allez, on boit un petit coup. Ils sont en pleine forme, mais je crois qu'il y a un petit souci de son. Un petit souci de? De son. De sens? Non, de son. Son. Ah, de son. Tu m'entends pas bien? Ben, on t'entend pas bien, et là, la musique était pas très forte, et d'un coup, elle s'est mise très forte. D'accord. C'est les aléas du direct. Hein, de ouais, ça. Ouais. Bon, on va voir sur le deuxième tour. Ben, de toute façon, maintenant, tout le monde a bien compris les mouvements. Donc, ben, je vous remonte entre les périodes de repas, de repos, pardon, de repos, c'est dimanche. Pendant les périodes de repos, de 10 secondes, je vous remonte le mouvement. Donc, vous ne l'entamez pas tout de suite, vous l'entamez uniquement quand il y a la petite sonnerie, ding, ding, ok? Et c'est là qu'on démarre. De toute façon, je vous donne le top à chaque fois, d'accord? Donc, je vous remonte le mouvement entre les deux, entre chaque session, ok? Voilà, comme ça, ça simplifiera un petit peu le problème. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes de son pour les deux derniers. Alors, on en est où?
Ah, vous marchez sur place, hein. Vous ne vous laissez pas trop vite redescendre. Et surtout, on boit. Dans 30 secondes, on redémarre. Je redémarre la musique. Le son, ça va? Attention, ça va redémarrer. En 15 secondes, 10 secondes, on marche. Cette tondeuse, hein. C'est vraiment quelque chose de terrible, hein. Prendre après une longue période d'inactivité, c'est comme nous, hein, les vieux, quand on règne, quand on arrête de faire du sport, on a du mal à s'y remettre, la tondeuse, c'est pareil, donc il faut tirer, allez, on tire, allez, on voit aussi, voilà, tout le monde va bien, impeccable, ouais, mais il y en a qui même qui continuent à faire de l'exercice pendant les périodes de repos, c'est super. C'est de la récupération active. Bien, super. Allez. Allez, on marche sur place. On décontracte. Oui, c'est pas très dur, c'est pas une séance très dure. On est un petit peu plus dans le cardio là parce qu'il y a beaucoup de déplacements. Donc ça permet de monter un petit peu le cardio tout en travaillant, bien évidemment. Le renforcement musculaire. Et là, on travaille l'ensemble du corps, aussi bien la partie haute, pas les pectoraux, mais on travaille biceps, triceps, les deltoïdes, abducteurs, adducteurs, les deux, les quadriceps, et bien sûr les abdominaux, puisque faut toujours rester bien gainé. Dans 20 secondes, on va redémarrer. Allez, j'arrête de parler, de toute façon, je dis des bêtises. Allez, c'est reparti. Oh, c'est la
la tête. 10 secondes. Rappel. Super. On a encore bien travaillé là aujourd'hui. On commence à voir un petit peu la transpiration qui monte. N'oublions pas. Voilà, voilà, voilà. Notre petite séance de Tabata. Pour toute la semaine. Et pour être en forme pour la danse, pour la gym. Et puis pour vendredi aussi. Allez, on va faire un petit retour au calme. Tout simple, tout bête. Si vous avez une chaise à proximité, prenez-la parce qu'on va peut-être faire des choses où on va être un petit peu en équilibre. Alors, si vous avez une chaise à proximité, n'hésitez pas à la prendre. Allez, on souffle. De la séance vers l'avant. Allez,
comme si je portais un plat. On peut avancer. Allez, on recule. Allez, on décolle simplement le cerveau. Là, c'est pareil, si vous voulez prendre une chaise, vous vous mettez en appui, on lève, on saisit son genou, et en expirant, on le ramène contre la poitrine. N'hésitez pas à prendre appui sur un meuble, sur une chaise. On relâche sans poser. On vient mettre la cheville sur le genou, je plie la jambe. Je plie cette jambe-là, ok, je me remets de face pour vous montrer le mouvement, hop, oh là là, je plie et je pousse avec ma main sur le genou. Prenez appui sur une chaise et là on tire, ici, fessier, on relâche. L'autre genou, on monte. On vient l'équilibre, on vient saisir le genou, on ramène sur la poitrine en expirant. On vient poser la cheville sur le genou, je plie la jambe d'appui et j'appuie ici sur mon genou. Ah là 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 là, attention, hein, c'est lundi. Ouh. Allez. Vous voyez comme quoi, il faut prendre l'appui. Hop, on appuie ici et on baisse. Voilà, on remonte tous. Allez, on relâche. Encore une fois, on va faire le quadriceps ici. On lève. On vient saisir la cheville. On relâche. L'autre. On relâche. On passe le bras derrière, on vient toucher, on vient sa main sur son doigt plat et on vient ici. Tirez le coude. On étire cette partie-là. Le triceps qu'on a travaillé un petit peu aujourd'hui. Tu peux rouler. Allez, l'autre côté. Contracte tout. Allez, on tourne un petit peu. Laisse aller ses bras, les jambes. Décontracte tout. Et voilà, on en a terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie. Bravo. Bon boulot. Vous avez bien travaillé. Merci Jean-Marie, c'était super. Voilà. Mais j'espère que vous avez bien apprécié. Donc, bon lundi congé.